C'est possible d'essayer ? Oui, bien sûr. Vous avez une cabine tout au Je m'appelle Vaz Raphaël et je suis responsable boutique et team manager au sein du Clermont Foot. Du coup, la boutique, on l'a ouverte le 3 décembre et elle sera fermée le 31 décembre. Donc, c'est une boutique éphémère qu'on a fait pour les fêtes de fin d'année. La période des fêtes de fin d'année, c'est une période cruciale puisque c'est là où on fait le plus de chiffres en boutique. Donc là, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes. On savait qu'en en centre-ville, on répondait à une demande de la clientèle. Donc forcément, oui, en chiffre d'affaires, c'est très important. En bleu ou en noir? Je pense qu'on a dû tripler ou quadrupler le chiffre d'affaires par rapport à toute une année passée en Ligue 2. Donc pour dire qu'on est qu'en décembre, c'est vrai que l'impact de la Ligue 1, c'est phénoménal. Aujourd'hui, on a plus de 4500 maillots vendus. C'est quasiment 4 fois plus que sur toute la saison passée. C'est le maillot domicile, comme chaque année. C'est celui qui parle le plus, 60% des ventes quasiment. Donc il n'y a pas débat. C'est les couleurs du club, donc forcément, les gens le veulent. Et voilà. Parfait, merci. Au revoir. Incroyable. Bienvenue au pays du Père Noël. Là, je pense, là, on est au Gravange. On va s'entraîner au synthétique là-bas parce que où on s'entraîne d'habitude, c'est on va dire, c'est pourri les terrains. Du coup, là, on va s'entraîner au Gravange, là, au centre. Ça caille, ça caille. Il a pas compris. Mais allez, en plus, tout le bordel. Ne partez pas trop tôt. 25 minutes de temps d'attente. Fais des petits. Il va courir. À coup de pied. Il a dit intérieur, pourquoi tu le fais ? Intérieur ? 3, 4, 5, 6. Cascade de blessures en défense centrale à Clermont. C'est le milieu de terrain Johan Magnin, lui-même de retour d'une grave blessure qui évoluera à ce poste face à Montpellier. Après, plus ou moins juste avant le match, on avait joué dans la semaine contre Lens. C'est vrai que JC, Jean-Claude, s'est blessé au pied. Voilà, le coach m'en a parlé juste avant le match, la veille du match. Et voilà, j'ai essayé de me mettre dans ma bulle, de me concentrer pour faire un bon match, pour qu'on essaie de rapporter des points de ce déplacement à Montpellier. J'avais joué un match de Ligue 2 ici au Gabriel Montpied contre 3. Mais voilà, ça remontait à 2 ans et sinon, depuis rien, j'avais aucune référence, que ce soit à l'entraînement ou en match. C'est un poste que je connais un tout petit peu, mais voilà, ça remontait quand même il y a 2 ans. Le ballon, côté gauche pour les Montpellierains. Attention, ça tergiverse un peu dans la surface de réparation. Wai qui ouvre son pied, la lucarne opposée. Ouverture du score pour Montpellier. C'est une action un peu où on met du temps à sortir sur le porteur. Le latéral gauche avance. Il met un ballon dosé dans le dos de la défense. Le joueur loupe un peu son contrôle, le ballon me passe un peu devant, ils ont un peu de réussite à ce niveau-là et après il met une super frappe en une touche, un peu comme le match de Reims où au final on concède très peu d'occasions et les adversaires, sur une frappe un peu venue d'ailleurs, ils ouvrent le score.
C'est vrai qu'après le match de Montpellier, il y avait comme une forme, j'ai ressenti pas une petite forme de lassitude, comme si on était en train, pas d'accepter, pas de s'habituer, mais comme si ce scénario-là, quoi qu'on fasse, il revenait entre guillemets, c'est-à-dire que on fait des bons matchs, on est dans le jeu, on domine la plupart du temps, on se crée plus d'occasions que l'adversaire, mais au final, sur une action, que ce soit de notre faute ou que l'adversaire joue bien le coup, on prend systématiquement ce but-là et on n'arrive pas à revenir au score. Et c'est vrai qu'après le match de Montpellier, j'ai senti que mentalement, c'était en train de rentrer dans nos têtes et c'est vrai que c'était un peu difficile à digérer. Merci de vous accueillir. Mais vous avez les habillés de Jean-Marie Super. Vous allez vous les transmettre aussi, donc. Monsieur le Président, Jodel Dossou, international béninois. Son surnom, c'est le TGV. Mais pas celui qui arrive à Clermont. Entre Cotonou et Porto Novo. El Bachad Rachani, bonjour, qui est notre international kosovar. Oui, je l'ai vu marquer un but il y a quelques... Voilà. On ne peut pas déranger l'entraînement, parce qu'après, on... Où nous en voudrait. Bon, président, bonjour. Ça va bien ? Ça va. Ça va ? Ça va. En visite ? Je suis en découverte. Là, vous avez fait un travail depuis des années ici. Construit petit à petit. C'est ça qui fait. Vous n'êtes pas allé au centre, mais le centre, ça fait 6 ans, je pense, la construction du centre. Avec quelque chose d'innovant avec le rugbyman. Oui, c'était fait que ce soit groupé qui était. C'est ça, le centre de formation partagée. Vraiment intéressant, je pense. Enfin, je pense qu'il y a d'autres villes maintenant qui regardent de près. De faire de l'interdisciplinaire. Vous savez, quand on n'a pas beaucoup d'argent, il faut des idées. Voilà, bien sûr. Voilà. Ouais, des villes comme Pau, on a reçu des coups de téléphone. Et là, on est en plus maintenant sur essayer de voir comment on peut faire un centre de formation au féminin, en regroupant nos équipes féminines. Et puis le public est là quand même. 9000 abonnés, ce qui est exceptionnel. Et on est troisième au coefficient de remplissage de la Ligue 1, avec 94-95% de stades pleins à chaque fois. Yohann Mania, un autre produit du club. Donc de Clermont ? Ouais. Vous êtes originaire de... Ouais, de Clermont, moi j'ai pas bougé. Ouais, donc ça fait l'attachement très grand. Ouais, je suis né ici, ouais, je joue dans un petit club à côté, et puis depuis que j'ai 10 ans, je suis au club, ouais. Et vous n'avez jamais été tenté par le rugby, vous ? Non. Non, c'est vrai. Non, foot. Là, ça fait plaisir, du coup, ouais. On parle un peu plus du foot à Clermont, c'est cool. Oui, ce qui prouve que quand on dit qu'il y a une ville qui est une ville de rugby, il y a quand même toujours c'est sur la place, du foot. Ouais. Y a, c'est pas vrai qu'un sport écarte l'autre. Ah bah j'ai le maillot. Oupparine Djoko sera titulaire dans les buts une nouvelle fois. Lui qui avait commis une faute de main pour sa première titularisation face à Nice. Finalement, il a acquis la confiance du coach clermontois. Au moment où ça se passe, je comprends pas trop ce qui se passe. Ouais. Je me dis, j'ai quand même pas fait une dinguerie. Mais je n'avais pas le temps franchement de me dire, franchement, j'ai pas le temps. Donc je me suis remis dedans. Ça m'a pas atteint psychologiquement. Vu que Flo il est blessé et que moi aussi j'ai été formé dans l'axe à l'académie. Et du coup le coach m'a fait passer dans l'axe pour aider Manier. Et c'était ça. C'était pas prévu comme ça parce que Flo il était blessé et je suis obligé d'aller dans l'axe. J'ai été formé comme un défenseur central. Et quand je suis arrivé en Europe, avec ma taille et tout, il faut jouer latéral droit. Donc j'ai commencé à jouer latéral droit.
corner qui est tiré au deuxième poteau. Soit par une situation où je dois pas sortir et je dois essayer de défendre mon but. Donc je me dis, le ballon, comment il navigue, c'est... À mon avis, en plus, il y avait Johan derrière moi qui était au premier de base. Donc quand je me déplace, je me dis que c'est le ballon, il peut forcément venir au premier poteau où je suis. Et c'est ce qui se passe. Donc du coup, je dois m'employer rapidement. Et le ballon, il traîne et Johan qui fait don de son corps pour repousser le ballon. Donc c'était un peu chaud, mais voilà, ça, on a fait preuve d'une solidarité à toute épreuve. On a été sérieux, on a été solide. On s'est dit, on ne peut pas laisser filer. Donc vu que Flo il est blessé, il est sur le banc, il a envie qu'on gagne, ben, on va tout donner pour qu'on gagne ou on fait un match nul. Et au final, c'est ce qu'on a fait, on n'a pas trop calculé, pas trop réfléchi. Et au final, on ne prend pas de but, ça ne nous était pas arrivé depuis, depuis plusieurs semaines, donc c'est super. On a beaucoup sacrifié, on a beaucoup couru. Et même si on n'a pas eu beaucoup de balles, mais je pense qu'on a beaucoup travaillé sur le terrain. Et quand on a gagné, on était trop contents dans le vestiaire. Et en plus, ça faisait longtemps qu'on n'a pas gagné. Et ça fait du bien de gagner. 4-4-2, bloque pas ! 4-4-2, bloque pas ! 4-4-2, bloque haut ! 4-4-2, bloque haut ! Déverrouillez les fans ! Déverrouillez les fans ! Cliquez sur les photos ! Cliquez sur les photos ! Aujourd'hui, on snap ! Aujourd'hui, on snap ! Aujourd'hui, on tape ! Aujourd'hui, on tape ! J'avais l'impression de retrouver un peu ces sensations de l'année dernière quand on gagnait un match en Ligue 2. Retrouver ces scènes de joie, d'accolade et tout entre tout le monde. Non, c'était vraiment sympa. Ça nous a un peu libérés dans le sens où on était dans une spirale négative. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné. Donc non, ça a fait du bien aux têtes. Tout le monde était content et c'est le plus important. Vas-y, je t'ai dit ma gueule, promets que tu t'en prends et c'est pas le dernier. Franchement, on méritait depuis quelques temps, on fait des bons matchs et enfin on est récompensé. Bravo à toute l'équipe pour l'état d'esprit, on n'a rien lâché du début à la fin. C'est ça qui nous a dit coach. C'est ça qui manquait pour gagner des matchs et pas lâcher et là on a tenu jusqu'au bout. Parce que là, si je veux remettre de la glace, on est mort. Hein. Je ne sentirai plus. C'est surtout pour l'avion, il faut qu'on la comprime un peu. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Ciao les gars, bon courage. Ouais, merci. Il est rentré 6 à 8 tout le monde. Mais c'était sûr, moi. Ça, ici, m'avait dit, il est formé dans l'axe. Ça ne m'a pas fait peur. Moi, franchement, pourquoi je venais que lui là, aller dans l'axe. Ali, il est ventre de Montferrand juste. Je pense pas à détailler aussi comme l'année dernière, il prend des rouges. Mais non, mais il y a juste ça qui peut me faire peur. Mais autrement, dans les duels et tout, il est toujours là. Un petit braquage de temps en temps, ça fait pas de mal. Hein. Ah oui, c'est important. Des fois, il faut savoir ne pas pratiquer un football aussi propre comme on espérait le faire. Et des fois, tu l'emportes, hein. C'est comme ça. Hein. Des fois, faut pas toujours être beau. Hein, Yohan, des fois, faut pas toujours être beau. Moi, je suis toujours beau. Ça va péter, ça a pété mon gars. Belle victoire, on rentre à la maison, on va se reposer, demain c'est les soins,
et on se donne rendez-vous à la coupe. Et ensuite, la fête face à Strasbourg. Stade Gabriel Montpied. Je continue à me penser, à me dire qu'on est devenu un club de Ligue 1. Quoi, voilà. On ne s'est pas encore habitué au caviar, quoi, voilà, donc c'est que du plaisir, c'est sûr. C'est le plaisir pour les gens de la ville, pour les supporters, pour les joueurs. Et surtout, en plus, du fait du bon début de saison et puis des options de jeu, etc., qui ont fait quand même beaucoup parler. Il y a eu quand même pas mal de couverture médiatique. Et je pense que Clermont, depuis plusieurs années, mais de manière encore plus visible, a développé une très bonne image dans le foot. C'est vrai que les gens te prennent au sérieux, entre guillemets, quand tu les bassinais en disant, l'an dernier, je disais, non, mais ça joue super bien, clairement, vous ne vous rendez pas compte. Et effectivement, ils ne se rendaient pas compte parce qu'ils avaient peu de possibilités de le vérifier. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que ce n'était pas juste moi qui disais ça parce que j'aurais été un petit peu partisan. Ce qu'on fait, on fait clairement, mais on fait nos équipes. Ah ouais? Tu vois? Okay. Pas la même. Ouais, ouais. Tu vois ? Du coup, on appelle le coach pour faire les comptes. Toi, on va te sortir, par exemple. Ouais, sortez-moi, ouais. Et non, mais Lulu. Coach. Non, mais Lulu. Non, on se met en quoi ? Vous mettez en quoi en blanc ? Comme tu veux. Vas-y, on prend domicile. Moi, je vais faire le blanc. Ouais, prends le blanc. Allez, on prend le blanc. Dispositif 4-2-3-1. Tactique. Pressing après une paire de balles, ça, c'est. Capitaine, t'es un une mec capitaine quand même. Hein. C'est mon rêve un peu. Ouais. Tout le monde a des bonnes têtes en vrai. Ouais, ça va. Bah en Ligue 1 ça va. En Ligue 2 t'as des têtes d'avatar. Ouais, c'est les photos. Ouais. Tout le monde a fait des bonnes photos. C'est après là que ça va pas. Regarde-moi déjà, on dirait que je suis drogué. Qu'est-ce que tu fais avec tes manches longues? Ah toujours. Ils ont vu que je joue toujours à manches longues, même quand il fait 60 degrés. Tu mets les commentaires ou pas, Florent? Tu peux commenter en même temps ou pas, Hervé, là? Ah, bravo. Bravo. Ça fait bizarre, non? Là, c'est la même voix. Moi, j'ai l'habitude. C'est la même voix. Ouais, ils ont pas trop trafiqué la voix. Allez, Lulu, allez. Ah, cette ambiance. Ah, ils nous ont mis la petite veste et tout quand on rentre. C'est stylé, ça. On l'a pas, cette veste, hein? On l'a pas eu, cette veste, nous, par contre, quand on rentre sur les compos, là. Ah ouais? Tu passeras le mot à Milan? On veut la veste. Oh, Yogastien, ils ont pas respecté. Le petit dessous, il est bien fait. Ouais, ça va. Et Cédric, pas mal. Ouais, par contre, Momo Bayo, interdit. Boccia, je sais pas, c'est un... Là, ça va pas du tout. Je sais pas d'où il vient, mais pas du Uruguay. Moi j'ai eu peur. Qui sait, c'est le jazz, mais cadre-moi ça, c'est pas possible. Ça avance court là, hein. C'est vraiment Clermont en fait. Hein. Ouais, ça. Flo, pied gauche. Hey. Ah, j'ai entendu Florian Auger, par contre, on va appeler FIFA là. Ah, elle est là, le commentateur. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Il s'est trompé. Florian Auger. Florian Auger. C'est vrai? Aïe. Putain, je devais être fatigué. Prends la frappe. Oui! Mais bien sûr! C'est Jim? Ça, j'adore. C'est de la triche. Hey, Jodel, il est content pour toi. Hein. Ah, franchement, ça, c'est pas très réaliste là dans FIFA. Alors, moi, Jodel, il est déjà replacé dans le. Non! Oh non! Oh non! Yes! Allez, on fait rentrer Elba. Allez, Elba, allez! Ah, Elba. Elba qui rentre ses buts, normalement. Elba? Ouais. Enchaîne! Elba, oui! Rachani, on vous l'a dit, quand il rentre, ça rigole pas! But direct, hein. Tac! Ça, c'est réaliste. Oh, bien joué, Elba! Il y a Momo dans l'axe! Oh! Oh, oui! Oui! Yes! Allez, Momo! Finis tout seul! Oui! Bien joué, Flo! Bien joué! Merci!
Merci bravo, de votre participation. Du coup, bravo, mais j'ai le démon quand même. Hervé, tiens, c'est le lot de, de consolation. Merci. C'est le fameux lot de consolation. Ah, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Du coup, il y a les résultats. Déjà, ils ont déjà floqué 3-1 derrière, c'est ça? 4-1 Non, 6-3. 6-3. Merci les gars, c'est sympa. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. De toute façon, on savait que peut-être on n'avait pas forcément des automatismes. Pour certains, c'est leur première titularisation en pro. On savait qu'il allait peut-être avoir des moments où on allait faire des erreurs techniques, ils allaient être en bloc bas. Et que voilà, il ne fallait pas s'énerver, il ne fallait pas se dire on est en Ligue 1 à la 15e minute, il doit y avoir 3-0, parce que ça nous aurait frustrés, énervés. Justement, on aurait voulu faire des différences individuelles. Le fait de garder la même intensité, le même sérieux, la même organisation, ça les a usés. Ils ont commis des erreurs naturellement. Et ce qui nous permet de rentrer à la mi-temps avec 3-0 et d'assurer quasiment la qualification à la mi-temps. Saïf Kaoui, le corner pour Clermont, il va être tiré pied gauche, il va être entrant. Il est repoussé par la défense de chemin bas, Jonathan Iglesias, la frappe de Jonathan Iglesias et le nouveau but pour Clermont. J'anticipe un peu parce que je vois que le défenseur il arrive à dégager et qu'il va dégager dans l'axe. En tout cas, je sentis comme ça et ça retombe sur moi, je contrôle des genoux et après je la place côté gauche. J'étais plus déçu pour eux que pour nous, même si voilà, c'est pour le foot en général, c'est dommage ces événements, mais c'est surtout pour eux parce que bah, ils étaient aussi désolés que nous, ils étaient impuissants face à ça, ils n'avaient qu'une envie, c'était de finir le match et voilà, de partager le moment avec leur famille, de se faire applaudir, d'avoir la haie d'honneur. Et ça aurait été vraiment dommage qu'ils n'aient pas accès à ce dernier moment de joie après leur parcours incroyable. Donc voilà, c'est bien que ça soit fini normalement. La première étape a été de monter en haut du secteur M de la Gergovie, puisque le règlement demande qu'on aille à l'endroit le plus haut et le plus éloigné. Donc on l'a fait une première fois vers 19h30 et nous l'avons refait à 20h15. Dans les deux cas, il était évident qu'on ne voyait pas de l'autre côté. «
on a été reconvoqué par le délégué et il nous a été expliqué que la Ligue souhaitait que nous fassions le protocole jusqu'à 20h56 et juste avant la rentrée des équipes. L'arbitre a fait le nécessaire pour essayer de faire jouer le match. On a attendu jusqu'au protocole et bon, force est de reconnaître que ça ne s'arrangeait pas. Donc il y avait à la fois les représentants des deux clubs, les représentants, les deux entraîneurs, les deux capitaines et les arbitres. Et la décision a été prise, on a été informé de la décision du report. Prochainement, on va fixer la date de report du match, mais nous pouvons d'ores et déjà vous dire qu'elle n'aura pas lieu demain. Voilà, donc on vous souhaite à tous une très très belle fin. On est automatiquement déçu parce qu'on était prêt à jouer ce match, évidemment. On a fait le nécessaire en coupe pour reposer certains joueurs en plus, donc bon, voilà, c'est comme ça, c'est le destin. C'est des moments où il y a un règlement et il y a des spectateurs qui étaient là et qui ne pouvaient pas voir le match. C'était obligatoirement, le match devait être reporté. Voilà, ça nous arrange pas, il y a un règlement. Et puis, le règlement a été appliqué logiquement. Et ils chantent, ils n'arrêtent pas de chanter, c'est dingue hein. C'est dingue, ils n'arrêtent pas de chanter. Ouais. Là, c'est gentil. Il fait très très froid, mais les supporters sont toujours là. Donc, je vais les saluer, je vais leur donner un maillot. Bon pour la trêve. Et c'est bon. J'attendais que ça pète ce soir, mais vu qu'il faisait froid, ça va péter. Mais j'espère en janvier, début janvier, ça va péter fort. À la caméra, tout le temps, moi, je dis ça va péter parce que... Moi, je dis ça parce que j'ai confiance en mes collègues au foot. Moi, je sais très bien, ça va tourner, même si on ne gagne pas beaucoup de matchs. Un jour, ça va péter, c'est sûr. Un jour, ça va péter, ça a pété un jour. Donc, j'espère que ça va continuer à péter toujours. Bon vacances, profitez bien avec la famille. Au revoir.